Alors, le concours de la meilleure idée, il est organisé chaque année pendant la semaine de l'entrepreneuriat à Genève. Il est ouvert aux étudiants et aux alumni, essentiellement, ainsi qu'aux apprentis en formation dans le canton. Il a pour but, en fait, de leur donner une première plateforme pour exprimer leurs idées entrepreneuriales et pour recevoir un feedback d'un jury de professionnels. Donc, c'est un événement de sensibilisation et d'encouragement aux nouvelles idées et à la prise d'initiative, en fait. Mais justement, on a besoin de l'information par rapport à la sexualité. Ça atteint tout le monde, mais on n'en parlait pas. Et justement, notre projet, c'est de dévoiler un peu ces tabous par rapport au sexe et de donner de l'information de la part des professionnels aux plus jeunes, qui sont ceux qui ont le plus besoin. Donc ça, c'est notre projet, c'est Sex About It. Un projet auquel on tient et auquel on croit. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la différence de l'entrepreneuriat par rapport à juste un job corporate de 9h à 18h. C'est qu'on fait quelque chose parce qu'on aime ce qu'on fait et pas parce qu'on est obligé de le faire. Ce qui est intéressant ce soir, là on sort d'une soirée où en fait l'entrepreneuriat on l'a vu sous tellement de nombreuses formes. On a vu des entrepreneurs qui sont intéressés par tellement de nombreuses choses. Que l'entrepreneuriat devient carrément multiforme et général. Que ce soit quelqu'un qui est dans le domaine technique, scientifique, social, humain, il y a quelque chose à faire dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc on est très heureux de voir qu'on a quelque chose de très général qui touche toutes les parties de la société.